Dit is Toutatis in Parc Astérix, Frankrijk. Een van de snelste multi-lunge achtbanen in Europa. En deze achtbaan heeft een twist. Namelijk deze unieke fast switch. Tijdens de tweede lancering wordt de richting van de baan verwisseld. Hoe werkt dit? En hoe kan dit ooit veilig zijn? Wij zoeken het uit in Theme Park Science. We staan bij Toutatis, een van de meest spectaculairste achtbanen hier in Europa, in Parc Astérix. Een multi-launch coaster van Intamin met een fast switch. En er rijden er ook nog eens 3 treinen op. Ja, hoe werkt dat nu allemaal? En ik ben ook wel benieuwd, hoe bedenk je dit om tijdens het rijden een stuk baan gewoon weg te halen? En dan moet het ook nog eens allemaal veilig gebeuren. We praten erover in deze aflevering met Parc Astérix, met Intamin en met Jurnan over het ontwerp van deze coaster. Je m'appelle Mathieu Gallus, je suis chef de projet au Parc Astérix et mon métier consiste à imaginer et créer les nouvelles installations du parc. Le Parc Astérix est un parc d'attractions au nord de Paris qui a ouvert en 1989 et qui fête cette année ses 35 ans. C'est un parc d'attractions qui s'appuie sur 3 principales caractéristiques. La première, c'est dans son nom, elle s'inspire de l'univers des personnages de la bande dessinée Astérix. Le deuxième, et on peut le voir tout autour du parc, on s'inscrit dans un cadre forestier naturel et on joue beaucoup avec ça dans le développement du parc Astérix. Et puis le troisième sujet, évidemment, c'est un choix d'attraction innovante et particulièrement fun qui font que la journée au parc Astérix va être excitante et amusante. La licence des personnages Astérix est pour nous très importante. C'est une BD qui est très très connue en France avec 40 bandes dessinées différentes. Qui est publié depuis la fin des années 60, donc ça fait vraiment très longtemps. Et donc nous, on va utiliser l'univers, l'esprit de la bande dessinée pour le traduire en attraction. Et donc on va beaucoup s'inspirer des histoires, des personnages, mais aussi de l'esprit de la BD, donc l'humour, la convivialité, un peu de bagarre aussi avec les Romains. Et on va traduire ça dans des univers thématiques. Et donc dans le parc, on a plusieurs zones, la Gaule, Rome, l'Égypte, bref, les quartiers antiques dans lesquels se déplaçaient les personnages dans la BD. C'est quelque chose de particulièrement amusant et excitant de voir comment on peut traduire un univers en 2D de bande dessinée dans des volumes reliefs. Et donc, on passe beaucoup, beaucoup de temps à trouver des images d'inspiration dans la bande dessinée où on voit des bâtiments, des modes constructifs et on essaye en fait de s'imaginer à l'époque de la bande dessinée pour voir comment on peut traduire cet univers-là. Je m'appelle Tony, je suis technicien de maintenance au parc Astérix. Alors ce qu'on va contrôler tous les matins, on va commencer par contrôler le train, que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de problème. Et ensuite on va faire le tour de piste. Donc tour de piste, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'objet ou de risque sur la piste, qu'il n'y a pas de fissure, que tout soit en ordre, qu'on ne trouve pas de boulons. On va contrôler aussi tous les launchers, donc qu'il n'y ait pas de rayures présentes, qu'il n'y ait pas eu de contact de frottement dessus. Ils sont également refroidis, donc c'est tout le système de refroidissement, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas quelque chose de défaillant, que le niveau soit bon. On va également contrôler surtout le fast switch. Le fast switch, donc une des pièces principales, qui fonctionne correctement.
l'écouter, qu'il ne fasse pas de bruit anormal, l'attention des courroies, vérifier son fonctionnement. Ce qui va vraiment être important sur le fast switch à contrôler, donc ça va être l'attention des courroies. Donc c'est elles qui vont amener l'entraînement du fast switch. On va contrôler son alignement à la main aussi, également pour vérifier qu'il est bien aligné, qu'il n'ait pas de fissure, d'impact, qu'il est bien à sa position. Et on va le faire fonctionner. On va le faire fonctionner dans un premier temps en manuellement pour le faire bouger, l'écouter, voir s'il réagit correctement et qu'il s'aligne correctement. Jordan, we staan hier onder de top hat van Tutatis. Wat een apparaat. Ja, dat ziet er heel indrukwekkend uit. Toch vind ik het wel spannend hoor, dat je vooruit, achteruit gaat en dan toch gewoon letterlijk een stuk baan wordt weggehaald tijdens het rijden. Ja, ik denk dan alleen maar, hoe is dat veilig? Ja, om überhaupt iets veilig te kunnen ontwerpen, is het heel belangrijk dat je dat op een systematische manier doet. En het begint eigenlijk met een overzicht maken van alle functies van de achtbaan en de deelonderdelen daarvan. Nou, een functie, dat is iets wat de achtbaan moet doen of moet kunnen. Ja. Voorbeeldje, wat is denk je de functie van een beugel? Nou, hier hou ik me er vooral heel hard aan vast, maar ja, je blijft natuurlijk daardoor zitten. Precies. Ja. Nou, zo ga je van alle onderdelen in kaart brengen wat is hier de functie van. En vervolgens doen we een zogenaamde failure mode effect analysis. Dat wil eigenlijk zeggen dat we erover na gaan denken. Wat kan er allemaal fout gaan, zodat deze functie niet meer kan worden uitgevoerd? En dat doen we voor alle functies. En dan weten we dus heel goed wat kan er fout gaan en wat is daar het effect van. Bijvoorbeeld bij zo'n achtbaanbeugel, die zou bijvoorbeeld open kunnen gaan. Die zou open kunnen gaan en dan... Hoofdpijn. Ja. Nou, dus dan weet je, oké, dat is een kritisch onderdeel. En dan gaan we in het ontwerp ervoor zorgen dat die beugel niet open kan. En dus dat doe je allemaal nog voordat je überhaupt gaat berekenen aan die achtbaan. Dan denk je dus al, wat kan er allemaal eventueel fout gaan? Ja, precies. Nou, laten we eens kijken naar die fast switch. De functie daarvan is het verbinden van de verschillende vaste baandelen en het switchen daartussen. Ja. Nou, verzin is iets waarvan jij denkt, dat zou wel eens fout kunnen gaan. Nou ja, dat ding staat niet precies op de juiste plek. Die trein komt eraan. Probleem ontsporing. Precies. Dus je moet het zo ontwerpen dat je zeker weet, op het moment dat de trein daar voorbij komt rijden, staat de fast switch op de juiste locatie en daar blijft die ook staan. Nou, hoe je dat kunt doen, is vervolgens alle onderdelen die daarvoor zorgen, goed ontwerpen. En er zijn eigenlijk twee opties. Van alle onderdelen die je dubbel kunt uitvoeren, kun je dat doen. Net denk aan sensor. Precies. Als de ene een stuk gaat, heb je er altijd nog eentje. Maar er zijn misschien ook onderdelen die je niet dubbel kunt uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het koppelstuk tussen twee wagentjes van een treintje. Ja, dat is er echt maar één. En dat betekent dat dat een heel kritisch onderdeel is, wat je dus extra conservatief gaat ontwerpen. En conservatief betekent dat het dus extra veilig is. Dus eigenlijk misschien over-engineered. Ja, precies. Er zit veel te veel materiaal, te dikke wanddiktes. Dus het is al een ontzettend sterk onderdeel. En daarbij komt ook dat we van dat soort onderdelen vereisen dat de inspecties en het onderhoud heel veel strenger is dan voor de onderdelen die dus niet enkel zijn. En daarom moet je zo'n achterhoofd zo vaak controleren. Precies. En dat doe je op al die onderdelen die je dus van tevoren eerst in kaart hebt gebracht. Ja, dat systematisch werken en het doen van die failure mode effect analysis, dat is echt essentieel voor het krijgen van een veilig ontwerp. Maar dan praat je dus over eigenlijk alles wat je in het ontwerp moet meenemen. Dan ben ik dus wel heel erg benieuwd hoe je dat dan doet. Hoe ontwerp je nou zo'n fast switch en ja, waar kan het allemaal fout gaan? We praten erover met Intamin. Robert Dank, hij is projectmanager en hij weet alles over de veilige werking van zo'n fast switch. De fast switch werkt door een motoraandrijving met riemen. En de riemen die trekken de switch eigenlijk van positie 1 naar positie 2. Daarna kunnen we vanuit daar de switch vastzetten. Dus we zetten de motorrem aan en we halen de stroom van de motoren af. En dan weten we precies dat de switch niet meer kan bewegen. Op het moment dat de trein van launch 1 naar de switch komt, kunnen we met sensoren meten dat de trein de switch heeft verlaten. Op dat moment activeren we de motoren, halen we de motorrem van de switch af en kunnen we de hele unit verplaatsen naar de volgende positie. Daar loopt hij tegen een hardstop aan. Dan zetten we de motorrem weer aan,
halen we de stroom van de motor af. En zo houden we er rekening mee dat de switch niet meer kan bewegen. En die positie meten we met een set lineaire sensoren. De lineaire sensoren zitten aan allebei de kanten van de switch, dus aan de ingangspositie en de uitgangspositie. En zo kunnen we meten dat de switch recht staat en niet per ongeluk een beetje verschoven is. Dus als de trein uit het station vertrekt, moet de fast switch al in positie staan. Mochten we er nou achter komen dat de trein richting de launch gaat, maar de switch niet meer in positie staat, dan vuren we de lancering 1 niet af. Dat is een voordat launch 1 mag afvuren, moet de switch in positie staan met de stroom uit en de motorrem aan. Wanneer de trein de switch overgaat naar lancering 2 en we merken dat de switch niet beweegt, dan zal de trein in lancering 2 stoppen. De remvinden blijven normaal gesproken naar beneden. Alleen in het scenario dat we de trein moeten stopzetten, dus mocht er iets zijn met de fast switch, dan zetten we de remvinden omhoog en wordt de trein in de vallei in lancering 2 stilgezet. Ok, donc nous venons d'arriver dans le quartier gaulois du parc Astérix à l'entrée de la zone festival Toutatis qui a ouvert en 2023 l'année dernière et qui accueille le Grand 8 Toutatis qui est notre grosse nouveauté. Ce Grand 8 Toutatis, au départ on voulait une attraction star, une nouvelle vedette pour le parc, un gros Grand 8. Et donc on voulait quelque chose d'unique et d'inédit et très très vite cette idée de triple launch coaster est arrivée. Et après il fallait qu'on puisse raconter une histoire. Et sur le parc, nos grands 8 stars sont basés sur des dieux qui appartiennent à leur univers. Osiris pour l'Égypte, Tonnerre de Zeus pour la Grèce. Et donc, ce grand 8 dans le quartier gaulois est basé sur un dieu gaulois, Toutatis. Et donc, on va raconter une histoire autour de ça. Et l'histoire qu'on s'est racontée, c'est voilà, tous les Gaulois, tous les ans, viennent à un festival célébrer leur dieu et viennent à ce festival. Et donc, voilà, ça fait partie d'un rituel, de courage, de venir tous les ans affronter le dieu Toutatis, affronter le coaster en lui demandant de nous protéger pour l'année qui va venir. Et donc, c'est cette histoire qu'on raconte dans cette zone et qu'on va pouvoir découvrir. On a en fait dans notre process de développement un plan de développement à très long terme, à 10 ans,
qui nous permet de voir les éléments et à quelle vitesse on va les mettre. Et ça nous permet de choisir à quel moment on va mettre un grand 8, à quel moment on va mettre une attraction plus familiale, un restaurant, etc. Et donc tout ça, on a une frise du temps assez longue. Et dans le cas particulier de Toutatis, on savait qu'on voulait à ce moment-là mettre un grand 8 sensationnel. Et donc ça, c'était le point de départ. Et il devait au tout début être ailleurs dans le parc, derrière Goodurix, derrière le quartier Viking. Et puis, à force de réfléchir, on l'a délocalisé, on l'a mis ici, derrière le quartier gaulois, dans une zone qui était très intéressante parce qu'elle était très paysagère, avec beaucoup d'arbres qu'on a pu préserver pendant le chantier qu'on voit autour de nous. Une des choses les plus difficiles, challenging qu'on a pu faire dans ce secteur, ça a été vraiment de pouvoir intégrer la zone et la conception au terrain existant, qui est en pente et qui est très planté d'arbres qu'on a voulu conserver. Et donc, c'est vraiment très difficile à faire parce qu'il y a énormément de contraintes qu'on ne voit pas derrière tout ça, comme la gestion de l'eau de pluie, comme les pentes des circulations pour respecter la réglementation, comme le niveau des arbres, on ne peut pas les bouger en hauteur ou en descente. Et donc, c'était vraiment un point très, très particulier qui nous tenait à cœur sur ce projet-là, justement pour garder cet environnement, ce paysage particulier autour de l'attraction. Ja, Jurnan, die Asterix en Obelix strips zijn de inspiratie geweest voor een van de meest spectaculairste achtbanen hier in Europa. En met zo'n fast switch, het blijft zo'n waanzinnig element. Ja, het is een geweldig onderdeel van deze attractie. Heel spectaculair. Ja, en je ziet dus dat je echt al in het ontwerpproces van zo'n attractie, en in dit geval van de fast switch, dat je daar rekening mee moet houden. Wat kan er allemaal fout gaan? En daarop anticiperen. Ja, vond jij dit nu een leuke video? Like en subscribe. En heb je een vraag? Laat het weten in de comments hieronder. En vanuit deze bijzondere locatie wil ik natuurlijk bedanken Park Asterix, Intamin, Robert en Universiteit Twente. Tot de volgende video. Hoi hoi!